Bon, après je retourne à l'hôtel. Bizarrement, la seule Pourquoi chambre tu veux qui. retourner à l'hôtel? La seule chambre qui se passe des trucs bizarres, on se fait tirer dessus. Et c'est la seule chambre Pourquoi que tu j'ai pas veux? visitée. Pourquoi tu veux aller à l'hôtel alors qu'on s'est fait tirer dessus? En recherche d'informations, d'armement. Et Tu peut-être veux y que. laisser la peau ou quoi? Je pense pas. Ils avaient pas l'air de tirer sur moi en tout cas. C'est vrai qu'ils auraient pu te buter depuis, ils auraient pu te buter, non? Ouais, ils auraient pu me Ah buter. bordel. C'est pour ça que je m'étonne encore d'être vivant. Moi j'aurais dit d'aller au commissariat. Vous voulez pas manger d'abord? Je peux encore attendre 15 minutes. Comme vous voulez, je vous suis. Ils ont pas pu tout prendre de toute façon. Il doit sûrement rester des armes ou des munitions. Ça dépend combien ils Enfin, étaient. j'étais 3, peut-être 4. Même à 3 ou à 4, on peut pas vider un commissariat entier. En tout cas, ils ont débarrassé les lieux. Plus pour nous, plus pour eux. Le garage, il est ouvert. Je vais voir. Le véhicule sont verrouillés. Normalement, il y a une armurerie. Eh bah. Si. On peut pas laisser un camion blindé à la portée de tous. On sait jamais, peut-être que la chance peut nous sourire. Si l'armurerie, c'est cette chose qui est à Faut côté. trouver. Armurerie niveau 3. Ok. Armurerie niveau 3. Ouais. Ah, Je je le vous laisse vous faire savais! plaisir. Moi, j'ai déjà de l'équipement militaire sur moi. Vous prenez pas de casque? Moi, je préfère le gilet. De toute façon, avec le casque ou non, si je me prends une balle dans la tête, je risque d'y crever. Donc bon, Ça dans le protège pire quand des cas, même. je finis en légumes. Dans le meilleur des cas, si vous le dites. Mais je peux même pas le prendre. Sans vouloir vous vexer, le gilet, ça vous va pas trop. Oui, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir le style et la sécurité. Une femme.
Un homme. C'est le groupe de tout à l'heure. C'est le groupe de tout à l'heure. On va se cacher. C'est l'homme au gilet bleu. On est repéré, je crois. Ils sont quatre. Allons dans le bar. Allons dans le bar, très vite. Putain, un appui. T'as vu le truc? Je l'ai vu. Faut des compétences militaires pour piloter ça. J'espère que tu passes pas par là. Mais merde, il est descendu. On dirait qu'il y a un militaire dans la ville. Je vais aller voir. Je vais pas aller voir. C'est mort. Ils sont barrés. Faut toujours aller voir les survivants là-bas. Ouais, enfin. Ils se font poursuivre par des militaires quand même. De toute façon, j'ai envie de te dire, on a rien à perdre. Ils étaient armés. Et nous aussi, on l'est. Et la femme n'avait pas d'armes. J'ai un peu la dalle aussi. On mangera dès qu'on aura fini cette affaire. J'ai l'impression qu'ils soient allés à l'hôpital. J'ai l'impression aussi. Je connais peut-être les militaires. T'as tout fait. T'as vu que tu y es plus? Ça veut dire qu'ils vont sûrement te charger pour mettre la main dans le sac, non? J'ai pas déserté au combat. Mon escouade est morte et j'ai été porté et disparu. Puisque tu je vois, suis pas rentré mec, à la base. Regarde. Tête éclatée. Ils sont passés par là. J'espère que vous avez raison. Ah, ils ont pris l'hélicoptère, ils ont pris l'escalier. Je vais me poser ici pour ma jambe. Ok, reste ici, moi je vais aller voir dans les alentours s'il n'y a pas quelque chose. Fais gaffe à toi parce que t'es blessé, donc si t'as un problème, tu ne pourras pas vraiment t'enfuir. Enfin bref, fais attention à toi quoi. Wow, 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 wow. Oula, je suis pas armé. Pouvez-vous baisser vos armes, s'il vous plaît? Je cherchais des survivants. Quoi ici? Survivants? Vous êtes seul? Je le suis maintenant. Je l'étais pas il y a quelques secondes. Il y a d'autres personnes en haut? Putain. Je sais pas s'il y a quelqu'un en haut, mais en tout cas j'avais une amie. Elle est partie se reposer parce qu'elle se vidait de son sang. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est fait toucher par des zombies. Rien de grave. Rien de grave? Elle a pas été mordue, si c'est ce que vous demandez. Je sais pas de quoi vous parlez, jeune homme. Je sais comment fonctionnent ces choses, je suis militaire, monsieur. Car sans armes? J'ai dit que j'en avais pas. Ça paraît étrange. Dans les mains. Bref, vous allez rester figé là longtemps? Non mais... Si vous voulez, vous pouvez fouiller avec moi, j'ai entendu des coups de feu avant d'arriver ici. Donc on n'est pas tout seul. C'est ce que vous demandez. Comme cet ascenseur. Okay. Ça je suis... Ok, il y a clairement quelqu'un. Ça je suis sûr que c'est okay, pas mon ami. Je suis sûr que c'est pas mon ami. Ok, suis-nous, on s'en fout. Ok. Reste vers lui. Vous allez me kidnapper loin encore?
Qu'est-ce qu'on dit quand on kidnappe? Je sais pas, il y en a un derrière, un devant. Ok, viens. C'est chez vous ici? Entre autres. L'espace est un peu grand et vide. Allez, mets-toi contre la barre. Ici? Oui. Putain! Est-ce que t'as des armes? Oui. Ne mens pas. J'ai ce petit bijou. Ok, pointe par terre. Ce serait mieux que ça soit baissé là, un petit peu. Vous allez pas me voler mes armes quand même? Non. Si, totalement. Oui, je les teste. On va juste les tester. Rien de méchant. Tu veux la prendre? Ouais, t'inquiète. Pas ton couteau là, oh bon. Mon couteau il reste avec moi, c'est un cadeau. Juste aller vérifier devant. Au cas où on s'est fait suivre. Je surveille le 2 secondes. Hein. Ça a pas de bijoux. Ok, cette ligne. Bon. Fais quoi de lui? Il veut pas l'air de nous rendre un problème. Tu veux faire un truc peut-être? Non, pas d'idée spéciale en tête là. Je t'ai bien récupéré. Non, j'ai rien. Ouais, t'inquiète. C'est la dernière qui me reste. Bon, on te l'endra quand il y aura plus de zombies dans la ville. Si vous voulez, je peux vous donner celle-là, mais elle a plus de munitions. C'est la plus de munitions. Hein. Voilà. Peut-être que vous avez les munitions nécessaires, mais moi j'en ai plus sur moi. Exactement. C'est le pistolet ce que tu as là. Ouais, je vous le donne si vous voulez. Bah, je vous ai dit, j'ai plus les munitions pour. Attends, il y a là. Si. Attends, ouais. Bon, alors on a longuement réfléchi et vu qu'on est très généreux, extrêmement généreux, on va te rendre ton pistolet avec quelques munitions dedans. Je voulais plutôt mon fusil d'assaut, mon pistolet je m'en fous un peu. Entendu là? Y'a un fer dedans. C'est bon, il est pas là. Je peux avoir mon fusil d'assaut s'il vous plaît? Je vous débarrasse les deux. Pas de risque passe à prendre. Pistolet. Passe le pistolet. Le pistolet, je me. Prends-le. Fais des preuves, vas-y. Combien derrière? Au moins. Y'a plus personne. Bon. Surveille-le. T'as encore envie ces choses? Ah, j'en ai décapité un, hein. Je pense pas que celui-là va vivre. Bon, comme je vous ai dit, j'ai une amie qui perd son sang. Et elle est maintenant toute seule puisque vous m'avez kidnappé. Ah merde, prends, tiens, un problème, c'est que du coup. Bon, bref. En passant dans ton pistolet, je t'ai passé toutes les balles qu'il y avait avec. Tiens, je te le redonne. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Aiden, mais vous pouvez m'appeler Misty. Ok, Misty. Il veut dire quelque chose. Ton ami, honnêtement, j'en ai rien à cirer. S'est fait mordre? Elle s'est pas fait mordre. Je pense qu'on sait pas à quoi s'attendre. Elle s'est pas fait mordre. Ah, tu l'as dit. Non, j'ai dit qu'elle s'était fait toucher, pas mordre. Je crois que griffer, c'est pareil, non?
Non. J'ai pas vu Griffé. J'ai vu toute mon escouade mourir sous mes yeux et je peux vous dire que Griffé, ça passe. Alors, si ton ami est blessé, qu'elle est en train de perdre du sang, ça m'étonnerait que c'est elle qui a appelé l'ascenseur, pour vrai ? Non, ça c'était d'autres personnes. Elle était en train de se reposer dans une chambre. D'autres personnes ? Je pensais que tu avais dit que tu étais qu'avec elle. Oui, et eux je les connaisse pas. Je vous ai dit que ça tirait avant que j'arrive dans le bâtiment. Donc il y avait d'autres personnes à part nous. Bah, c'est bizarre quand même. Et ces personnes là je les connais pas, mais ils sont traqués par les militaires. Honnêtement, je me sentirais plus en sécurité avec mon fusil d'assaut entre les mains. Je sais, mais nous, ouais, mais moi, nous. Bah, ça va, t'es militaire, tu connais des endroits où trouver des armes. Deux pauvres citoyens effrayés. Je viens pas de cette ville. Je viens d'une ville plus au. Plus à l'est, il me semble. Donc, je connais rien ici. Drôle de coïncidence. Pourquoi une coïncidence ? Dis-moi, le véhicule militaire qui est devant l'hôpital. C'était pas à moi. Est-ce que tu sais s'il fonctionne ? Bah, je peux vous le dire qu'en y allant. T'as bien compris ta situation, j'imagine. J'ai plus d'armes et je risque plus de mourir par les zombies que par vous. Plus mon ami qui risque de crever si je vais pas l'aider. Oh oui, j'ai une situation désespérée. Bon, je vous laisse garder les armes, mais moi, faut que j'y aille. J'irai au couteau s'il le faut. Est-ce que tu crois que ça marche comme ça ? Honnêtement, je préfère sauver mon ami que de la laisser crever. Et puis, puisque vous me retenez en otage alors qu'il y a personne pour venir me chercher, j'en vois pas l'intérêt. Si vous voulez me buter, vous l'aurez fait dès qu'on s'est vu. Dis-moi, mon ami, ton option ou mon option ? Jour de chance aujourd'hui. Ok, j'y vais. Je te destine bien. Bonne journée, au revoir. Je suppose. Passe par là, ouais. Bonne chance sur la route. Ok. Contre le mur. Le mur, oui, le mur là, non ? L'ascenseur. T'es qui, toi ? Je suis un militaire, ancien militaire. Qu'est-ce que tu fais là ? Quelle est ta mission ? Je suis en mission d'espionnage face aux survivants de la Nouvelle-Orléans. Ceux qui investissent dans la... dans... comment... la résolution du virus. Ton nom de code et ton unité. Misty, monsieur. Et mon unité, elle n'existe plus. Tout le monde est mort. Soldat, on va le ramener. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pour qu'on éclaircisse la situation.